Alors, cette réunion, c'est simplement organisée pour rassurer les populations et montrer que tout le dispositif de sécurité a été mis en place. Alors, c'est vrai que je pensais qu'il y aurait plus de monde, mais est-ce souhaitable ? Ça va être retransmis complètement sur le site de la ville. Donc, les habitants d'Aix seront avertis de ce que tout ce qui va être dit aujourd'hui sera pour être consulté sur le site de la ville. Alors, je veux dire simplement que les personnes qui sont là à mes côtés, qui ont accepté de venir, le sont sur décision de Mme Buzyn, ministre de la Santé, à laquelle j'ai demandé samedi de nous fournir cette possibilité de tenir les habitants au courant de façon à prévenir tout problème que les gens pourraient soulever et tout problème pouvant advenir après des informations qui pourraient s'avérer fausses et inutilement alarmantes. Nous avons à cette table Monsieur le préfet de région, Monsieur Dartout. Nous avons à cette table Monsieur Dimiter, qui est le patron de l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé et 42 préfets. Nous avons également le directeur de l'INSOPS, de la belle école de l'INSOPS, Monsieur le sous-préfet d'Aix-en-Provence, qui suit cette affaire de très près et qui servira de relais s'il en est besoin, étant donné que nous avons décidé, avec les services de la ville, d'être très près du contrôle et d'être très proche de l'extension des mesures de sécurité au fur et à mesure, si cela est nécessaire. Le commissaire de police divisionnaire n'est pas là, parce qu'il a eu ce matin des problèmes de sécurité à gérer, mais lui aussi est très proche du déroulement de ce qui va se passer pendant 14 jours à l'école de l'INSOPS. Voilà. J'ai aussi un certain nombre de médecins, je pense qu'il y en a un à notre table, voilà des médecins habilités à parler du problème. Donc nous avons pris le maximum de sécurité de façon à ce que les populations soient tranquillisées. Voilà. Elles le seront par le fait que le site de la ville, que la presse pourra consulter, sera complètement à quelle heure ce soir dans la soirée. Dans la soirée, Isabelle. Voilà. Monsieur le préfet. Bien. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci d'avoir organisé cette réunion, dont le principe a été retenu, comme vous l'avez indiqué, à la suite des contacts que vous avez eus avec Madame Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Alors, je vais dire quelques mots rapides en introduction avant de répondre à vos questions. Première chose, donc, nous sommes face à une crise importante en République populaire de Chine. Et le gouvernement chinois a pris des décisions importantes, inédites, qui n'avaient jamais été prises dans le monde jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il a mis en quarantaine une ville de 10 millions d'habitants, qui est la ville de Wuhan, et même une partie de la province qui est autour de cette ville. Ce qui veut dire que depuis de nombreux jours, les populations présentes, qu'elles soient chinoises ou étrangères expatriées, et je rappelle que Wuhan est une des villes de Chine où les intérêts économiques français sont parmi les plus importants, où il y a une communauté française importante. Donc tant les populations étrangères que chinoises ont fait l'objet, disons, de décisions très restrictives quant à leur possibilité de bouger, puisqu'elles étaient elles aussi conduites à vivre dans un système de quarantaine. Donc il est apparu nécessaire à plusieurs gouvernements, le gouvernement des États-Unis, du Japon, de la Corée, et plusieurs gouvernements européens, dont la France, de procéder au rapatriement de nationaux qui résidaient à Wuhan et qui voulaient revenir dans leur pays d'origine. Alors, c'est ce qui a été organisé. Il y a eu deux avions qui ont été affrétés par la France pour aller à Wuhan, à la fois pour chercher des ressortissants français, mais également des ressortissants étrangers, principalement européens, avec lesquels la France a passé des accords pour cela. Donc ces populations sont arrivées en deux temps. Premièrement, il y a eu des arrivées par un avion le vendredi, en milieu de journée, à la base d'Istres. Et ces personnes ont été conduites dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet. Deuxièmement, il y a eu de nouvelles arrivées
avant-hier, c'est-à-dire dimanche, en début d'après-midi, également à la base d'Istres, qui ont donné lieu à des personnes qui sont parties à Carry-le-Rouet et d'autres qui sont venues ici à Aix-en-Provence, à l'ENSOSP, à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Alors pourquoi les sites dans le département des Bouches-du-Rhône ? Je me suis exprimé dans la presse là-dessus pour trois raisons principales. Le cahier des charges qui était fixé, c'était de trouver des sites qui soient à la fois des sites qui puissent accueillir des personnes, qui soient bien organisées pour cela et pour assurer leur vie quotidienne dans les meilleures conditions possibles. Ça pouvait être un centre de vacances, à partir du moment où il était isolé. Ça pouvait être un autre site. Et ici, on a un site, bien sûr, que le ministère de l'Intérieur connaît particulièrement bien, puisqu'il est géré par la Direction générale de la Sécurité civile. Alors, donc, un centre pouvant permettre l'hébergement, l'accueil des personnes, des mesures de sécurisation dans les meilleures conditions possibles. Deuxièmement, un site qui se trouve à proximité d'aéroports internationaux. Ici, nous en avons un, Marignane, mais nous avons surtout la base aérienne d'Istres, qui peut accueillir notamment de gros porteurs, puisque les arrivages ont été faits avec des avions gros porteurs. Donc, la présence de ces aéroports. Troisième raison aussi, il fallait que les sites soient à proximité d'un très grand centre hospitalier avec un département en termes d'infectiologie qui soit très performant. Ce qui est le cas de la Timone à Marseille avec les services d'infectiologie qui y sont. Ces trois éléments faisaient que nous répondions dans les Bouches-du-Rhône précisément au cahier des charges qui avait été fixé. Et donc, certains préfets avaient été invités, on leur a demandé. Quand je dis invités, c'est quand on nous a donné instruction de faire des propositions. Ce qui va de soi, c'est notre métier de faire cela. Donc, nous avons fait des propositions, et les propositions concernant les Bouches-du-Rhône ont été retenues. L'avantage aussi, c'est que les deux sites sont à proximité l'un de l'autre, et qu'il peut y avoir, notamment pour les contrôles, notamment contrôle médical, il peut y avoir des mutualisations qui se font et une meilleure coordination qui se fait sur le terrain. On peut vous, pour tout de suite, dire les choses. Nous prenons toutes les dispositions pour que ces familles soient accueillies le mieux possible, puisqu'elles vont rester en quarantaine pendant 14 jours. Ce qui veut dire, si tout se passe bien, que les personnes qui sont ici à l'ENSOSP, qui sont arrivées dimanche, y sont maintenant pour 12 jours. 14 moins 2 jours. Ces personnes ont fait l'objet de tests dont on pourra vous donner, pour lesquels on vous donnera des informations très précises. Mais pour l'instant, tous les tests montrent qu'il n'y a pas d'infection au coronavirus. Et donc, nous sommes toujours, bien entendu, en veille pour évaluer s'il devait y avoir toute évolution. Deuxièmement, conditions de vie. Ces personnes, bien sûr, doivent déjeuner, dîner, prendre leur repas. Ils doivent aussi s'occuper, puisque c'est long, 14 jours, notamment quand il y a des enfants. Et ici, à l'ENSOSP, il y a quelques enfants. Nous n'avons pas pu placer toutes les familles à Carry-le-Rouet. Et donc, il faut les occuper et nous allons procéder forcément là aussi à des actions d'animation, notamment pour les enfants, de façon à ce que personne s'ennuie, parce que les gens qui s'ennuient peuvent toujours mal vivre ce qui se passe et donc ça peut toujours avoir des conséquences que l'on ne veut pas. Sécurisation, elle doit être forte à la fois pour les personnes que nous accueillons, ce qui veut dire qu'il y a le minimum de contact entre eux, en dehors du cadre familial, et qu'il faut qu'il y ait, au moment où ils peuvent se retrouver à proximité les uns des autres, qu'il y ait obligatoirement
port du masque. Les personnels qui interviennent sont eux aussi équipés dans des conditions nécessaires pour se protéger et pour protéger les personnes qui sont accueillies dans le centre. Autre chose aussi en termes de sécurité, c'est qu'il y a une étanchéité complète entre le site ou la partie des sites où sont accueillies ces personnes avec l'environnement, c'est-à-dire avec vous, pour les personnes qui vivent non loin du centre de l'ENSOS ou pour les personnes qui y travaillent, non loin du centre. Ce qui veut dire que la contamination ne peut se faire que dans un cadre de proximité physique. Des choses vous seront précisées par le directeur général de l'ARS et par le médecin, mais il faut qu'il y ait un contact de 2 mètres pour que éventuellement la contamination se fasse, notamment éventuellement par postillon. Donc, quand on est bien au-delà de ces 2 mètres, qu'on garantit une étanchéité, le risque donc n'existe pas. La ministre de la Santé s'est exprimée là-dessus et nous vous le confirmons. Bien entendu, pour assurer cette étanchéité, il y a notamment des systèmes de barriérage sur lesquels vous pourrez revenir, monsieur l'inspecteur général, mais il y a aussi, comme l'a dit tout à l'heure madame le maire, mobilisation des forces de police. C'est vrai que nous mobilisons toutes les forces de police, gendarmerie à Carry-le-Rouet, police nationale ici à Aix, avec des moyens supplémentaires, c'est-à-dire des unités de forces mobiles qui prêteront leur concours aux moyens départementaux de police ou de gendarmerie. Donc les gens maintenant sont installés, les activités démarrent, pas de problème notable à signaler, sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure à la presse, c'est un exercice tout à fait inédit que nous faisons, et donc inévitablement, il y a des adaptations à faire. Il y a des petits problèmes auxquels nous n'avions pas pensé qui peuvent se poser. Et donc, nous sommes là, les uns les autres, en étroite concertation pour régler ces problèmes qui pourraient venir. Voilà ce que je voulais vous dire en attendant de répondre à vos questions. Philippe, tu veux compléter ? Oui, merci, monsieur le préfet. Mesdames et messieurs, peut-être quelques informations complémentaires sur la question de cette maladie, le coronavirus, qui s'est fortement propagé en Chine et commence à gagner quelques pays. De ce point de vue-là, et je pense que ce matin, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a fait des déclarations très claires, il n'y a pas d'épidémie du coronavirus en France. Il n'y a pas d'épidémie. Et donc tous les cas qui ont été révélés, qui sont d'ailleurs en nombre extrêmement limité, sont des cas importés, mais il n'y a pas eu de cas ici qui se sont développés à partir du territoire français. Et toutes les personnes qui ont été identifiées sont actuellement prises en charge. En ce qui concerne les personnes qui ont été accueillies ici dans le département, et notamment à Aix-en-Provence, elles ont fait l'objet donc d'un test qui a été réalisé par l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire spécialisé en infectiologie, et je tiens à vous dire que c'est un des centres d'infectiologie les plus performants au monde que nous avons la chance d'avoir à Marseille, dans les locaux de la Timone. Donc cette équipe a mis au point spécialement pour le coronavirus un dépistage qui a été réalisé sur toutes les personnes arrivant de Wuhan. Et à ce jour, je suis en mesure donc de vous confirmer que tous les tests qui ont été pratiqués sont négatifs. Donc aucune des personnes qui sont arrivées dans les deux avions, ne présentait cette maladie, n'était victime de cette maladie. Pour autant, la mise en quarantaine reste nécessaire, car le virus est un virus nouveau dont on ne connaît pas parfaitement les caractéristiques et on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes d'incubation, les mécanismes de survie, et donc ni même les conditions de développement de la maladie dans la personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été constaté qu'une période d'incubation était comprise entre 2 et 12 jours, et donc le fait de
demander aux personnes de rester en quarantaine pendant 14 jours permet de s'assurer que ces personnes, en toute hypothèse, ne développeront pas cette maladie et donc ne présenteront pas de danger pour les personnes avec lesquelles ils seront en contact. Parce que, voyez-vous, cette opération, elle a en fait une double vocation. D'abord, prendre en charge éventuellement les personnes s'il venait à s'avérer qu'elles étaient malades et donc les traiter. Et ça, nous avons tout à fait les moyens de le faire, car c'est un virus qui est apparenté à un virus de la grippe, hein, et qui se traite également assez facilement par antibiotiques. Mais c'est aussi donc de protéger les personnes, mais aussi de protéger l'ensemble de la population française. Et grâce à l'action que nous menons actuellement, nous allons pouvoir éviter qu'il n'y ait en France un foyer d'infection à ce coronavirus. Donc c'est vraiment une action qui est très importante, qui est d'intérêt général, de grand intérêt de santé publique, et nous le faisons dans des conditions de sécurité, d'extrême sécurité, qui font que vous pouvez donc considérer que le risque pour les populations environnantes est nul. Voilà, je crois que c'est quand même important de le dire, de le répéter, compte tenu de beaucoup de choses qu'on lit. Le préfet de région a signalé les conditions dans lesquelles, pour l'instant, nous savons que la contamination des personnes, suivant les travaux qui ont été réalisés, notamment par les équipes chinoises, a confirmé que la contamination d'une personne à l'autre se fait exclusivement par la projection de gouttelettes de salive, donc par des postillons. Et donc, c'est pour cela que le port du masque est une protection qui est considérée comme étant de grande qualité et que nous exigeons que toutes les personnes qui sont soit en quarantaine, soit au contact des personnes en quarantaine, portent un masque. Et par garantie supplémentaire, lorsqu'il y a nécessité de contact très rapproché pour les soignants, les personnes qui prennent soin des rapatriés, de porter des gants et éventuellement une surcombinaison. Mais ceci est vraiment un principe absolu de précaution, puisque je le dis, je le répète, je l'affirme, toutes les personnes qui sont actuellement au centre, à l'école de l'ENSOPS, sont des personnes en bonne santé. Ou si elles ne sont pas en bonne santé, c'est pour des affections qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Certaines personnes peuvent présenter par ailleurs des maladies, mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus et elles sont prises en charge, bien entendu, par les médecins pour leur affection, si c'est un diabète, si c'est une maladie cardiaque ou je ne sais quoi. Hein. Donc, bien sûr, sur ces populations, il y a toutes sortes de situations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux vous dire, mais bien sûr, je pense que nous sommes tout à fait disposés avec le docteur Samir Boukaïs, qui est donc médecin à la veille sanitaire de l'Agence régionale de santé, de répondre à des questions plus précises que vous voudriez nous poser. Merci. Alors, le mieux est peut-être de vous inviter à poser des questions. Oui, donc juste une question très rapide qui s'adresse plutôt au docteur. J'ai vu aux informations, comme tout le monde, qu'un médecin d'un hôpital traitant un patient infecté du coronavirus avait lui-même été infecté. Alors le pire n'est jamais certain, mais on peut se poser la question de savoir d'abord si ce cas a été déclaré en France, parce que ça veut dire qu'il y a une personne, un médecin en contact des patients qui a été infecté. Et deuxièmement, de savoir si cette personne qui était particulièrement informée et bien placée pour régler les problèmes était elle-même suffisamment protégée et savoir si même avec une protection, le pire n'est jamais certain, mais on arrive à quand même stopper la propagation du virus. Et deuxième chose aussi, j'ai pu constater comme d'autres personnes, le pire n'est jamais certain, mais que les pharmacies actuellement ne disposent pas au cas où il y aurait des problèmes de masques adaptés suffisants pour permettre la protection des gens. Alors ça se situe au niveau d'Aix, hein, je ne parle pas de l'échelon national, mais là il y a peut-être une question qui peut se poser. Oui, donc effectivement, donc il y a des cas qui ont été contractés par les soignants dans les hôpitaux à Chine. Donc ça a été avéré donc des transmissions intra-hospitalières entre patients et soignants.
mais ce sont donc des soignants qui ne s'étaient pas protégés donc, avec un masque, avec les protections donc, requises. Ceci dit, ici en France, nous on a donc sensibilisé l'ensemble des établissements de santé et les équipes opérationnelles d'hygiène qui sont donc en charge de diffuser donc à l'intérieur des établissements de santé les recommandations de précaution. Donc voilà, porter un masque FFP2, donc lunettes, hygiène des mains, voilà, avec des gants. Donc toutes les équipes opérationnelles d'hygiène ont été donc sensibilisées voilà, de la région. Donc voilà donc ce que je peux répondre donc sur le risque de contracter ça au sein d'un hôpital. Oui, en effet, on a fait une grosse campagne d'information auprès de l'ensemble des médecins. Des messages sont diffusés aussi sur les différents moyens de communication que la DGS et l'agence a avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les infirmières à travers leurs unions régionales professionnelles. En ce qui concerne les masques, bon, pour l'instant, il n'y a absolument pas de consigne diffusée à la population de porter des masques, puisque, sauf si elles sont elles-mêmes enrhumées ou si elles ont la grippe, parce que le problème actuellement dans notre pays, ça n'est pas le coronavirus, c'est la grippe. Hein. La grippe, je vous rappelle, fait plus de 10 000 morts par an dans notre pays, plus de 10 000 morts par an, avec un taux de couverture vaccinale qui est beaucoup trop faible, notamment chez les personnes les plus âgées ou celles qui ont, pour des raisons diverses, une dépression de leur protection immunitaire. Donc le vrai problème en ce moment et qui occupe les hôpitaux et tout le système sanitaire, c'est la grippe, hein. Et c'est la grippe qui, on le sait, va encore faire beaucoup de morts cette année. Le coronavirus n'en fera certainement aucun. Et donc la protection par masque, eh bien, elle est très utile si vous avez la grippe ou si vous avez un rhume, pour éviter de contaminer vos voisins, hein. Parce que c'est quand même ce qui se passe. Peut-être qu'ici même dans l'assistance, plusieurs personnes sont porteurs du virus de la grippe et vont peut-être contaminer leurs voisins au cours de cette réunion. Donc ça, c'est des choses qui sont la réalité. Nous ne l'espérons pas. Mais je le souhaite évidemment pas pour aucun d'entre vous. Donc pour l'instant, il n'y a pas de consigne, en dehors de ce que je viens de dire, de porter des masques en lien avec le coronavirus. Néanmoins, si, par malheur, se développait une épidémie en France, à ce moment-là, nous avons les moyens de mobiliser des stocks importants et de les distribuer à travers les réseaux de distribution pour les pharmacies, les hôpitaux. Hein, on a des réserves, et donc, mais pour l'instant, le sujet... Alors, si les gens... C'est un peu comme quand on annonce une pénurie, une fermeture d'une raffinerie. Tout le monde se précipite à la station-service, il n'y a plus d'essence. Ce n'est pas parce qu'on manque d'essence, c'est parce qu'il y a eu ce phénomène de rush. Si ça se produisait ici... Ben, écoutez, on essaiera de faire en sorte, les pharmaciens doivent nous le signaler et on verra avec eux comment on peut réapprovisionner. Mais pour l'instant, là aussi, ça n'est pas un sujet d'inquiétude de notre part en tant qu'autorité sanitaire. Autre question ? Moi, je voudrais, monsieur le préfet, que vous expliquiez ce que vous avez expliqué l'autre jour, les forces de sécurité qui vont entourer l'école pour protéger... faire en sorte que ben, personne n'en sorte et personne n'y rentre. Donc qu'il y ait un confinement, qui soit un vrai confinement à 100%. Ça, c'est important. Tout ce qu'on nous dit sur le plan médical, c'est très important. Mais ce qui est important aussi, c'est que le commissaire de police et le directeur de l'école ont organisé un système de sécurité pour éviter qu'il y ait une contamination par des personnes qui rentreraient à l'intérieur ou d'autres qui sortiraient alors qu'elles n'y sont pas autorisées. On connaît l'être humain, hein. Donc il fallait quand même qu'on mette en place. Alors on dit pudiquement que ces forces de sécurité vont accompagner les habitants, mais en réalité vont accompagner aussi les habitants extérieurs, parce qu'on n'aura pas de crainte avec une porosité, avec les personnes pas malades, mais potentiellement. Voilà. Je ne sais pas lequel qui peut prendre la parole là-dessus. Monsieur l'inspecteur général. Oui, effectivement, je confirme qu'à l'heure actuelle, avec les services de police, l'école nationale s'est organisée pour qu'il y ait une étanchéité entre la population que nous accueillons et l'extérieur. Et quand je dis l'extérieur, il y a même une étanchéité à l'intérieur même de notre site, dans la mesure où les personnels de l'école nationale sont présents. Voilà, ce qui montre bien que nous sommes organisés en la circonstance pour que le travail continue, notamment le travail de soutien logistique de cette zone qui a été organisée à l'intérieur de l'école nationale et qui dispose et qui a été conçue elle-même
par une action conjointe, validée bien entendu par la santé, entre les services de police et les services de l'école nationale. Combien d'effectifs ? Alors, l'effectif de la police nationale est organisé avec actuellement une demi-unité des compagnies républicaines de sécurité qui veille à ce que l'étanchéité extérieure soit la meilleure possible et soit très efficace. Tout ceci à la fin d'éviter que des curiosités malsaines ne s'introduisent au sein de la structure de l'ENSOSP et sécurisent le périmètre extérieur dans les meilleures conditions. D'ailleurs, ces unités, ou les chefs d'unité ont pris contact avec les voisins. Le commissaire a dû prendre contact avec les voisins les plus immédiats pour à la fois les rassurer, mais également pour leur dire comment ils étaient organisés et leur dire de ne pas s'inquiéter ou de leur faire remonter des problèmes particuliers. Et à l'intérieur du site, 12 fonctionnaires de police sont en présence permanente pour assurer l'étanchéité intérieure et veiller à ce que le périmètre de quarantaine soit respecté par à la fois les rapatriés, mais aussi par les personnels de l'école. Donc on a un dispositif qui est actuellement adapté au nombre de personnes accueillies sur le site de l'ENSOSP, adapté aussi au nombre des cadres et des fonctionnaires qui travaillent sur le site, et puis adapté au voisinage. Voilà ce que je voulais vous dire. Et n'hésitez pas, je pense notamment aux riverains immédiats, à nous faire remonter des difficultés particulières si vous en rencontrez, parce que le but, c'est que tout cela se passe dans les meilleures conditions possibles, à la fois de confiance, mais aussi de sérénité, et veiller à ce que la quarantaine soit assurée au bénéfice des rapatriés dans les meilleures conditions possibles. Et au bénéfice des populations. Madame la prochaine question. Et puis il y a deux autres. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, après leur quarantaine, elles vont faire quoi, ces personnes-là ? On va les mettre où ? Elles ont peur qu'on les garde. Je pense que la réponse est extrêmement simple. Madame, elles vont rentrer chez elles. Ou dans les lieux où elles vont être accueillies, ici, pour des personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces personnes qui arrivent de Wuhan, en fait, avaient leur vie là-bas. Et donc, s'ils ont quitté leur maison à Wuhan, c'est que les conditions dans lesquelles ils vivaient devenaient intenables, parce que confinés chez elles, interdiction de sortir, etc. Et donc, dans un état de stress et de difficulté que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, elles ont choisi de venir en France, mais pour elles, c'est une rupture. Donc, souvent, ces personnes ont en France de la famille, des personnes qui vont les accueillir le temps que la crise à Wuhan se calme et que l'épidémie prenne fin. Mais une fois que la quarantaine est terminée, on est sûr que ces personnes-là sont parfaitement saines et ne sont absolument pas malades. Donc elles peuvent, sans aucun problème, reprendre une vie tout à fait normale, comme vous et moi. Je rajoute quelque chose, c'est que nous sommes en contact avec notamment des grandes entreprises qui sont présentes. Parce que s'il y a une communauté française importante, c'est parce que des grandes entreprises françaises, notamment de l'automobile et du luxe, sont présentes à Wuhan. Et nous sommes en contact avec ces entreprises de façon à ce qu'elles aussi, puisque chaque famille sera un cas individuel particulier qui sera traité de façon appropriée en liaison avec l'employeur, en liaison avec les familles qui sont ici. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la police était venue voir les riverains directs en fait, en face de l'INSOP. Moi, j'habite à 200 mètres et personne n'est venu me voir. Ni moi, ni mon époux, ni ma famille, ni mes voisins. Et j'aurais aimé en fait être avertie. Et en fait, ben voilà, personne n'est venu nous voir, nous. Et pourtant, je suis à 200 mètres. On va veiller, madame, à ce que vous ayez la visite des, serait-ce que des fonctionnaires de police, comme oui, les autres personnes d'ailleurs qui sont présentes à proximité. On va monter, il faut, Serge, monter un programme de visite, de façon à ce que toutes les familles qui sont dans une immédiate proximité puissent être visitées. C'est 40 ans ou c'est 14 jours ? 40 jours. Non, c'est la quarantaine, c'est une expression qui vient des temps jadis. Oui. C'est l'expression la quarantaine.
Non, ce n'est pas. C'était 40 jours à une certaine époque. Mais ce n'est plus 40 jours, c'est 14 jours. Non. Mais ça vous a été expliqué par le directeur général de l'Agence régionale de santé. On est même, par précaution, au-delà du nombre de jours nécessaires. Oui. Nous, on est voisins aussi. Notre société est juste à côté de l'ENSOSP. On n'a pas eu de visite non plus. Nos salariés se sont vraiment inquiétés parce qu'ils ont appris ça par la presse. Donc, le vendredi, ils voulaient mettre un droit de retrait. Donc, ça, vraiment, ça a été très difficile pour nous. Notre RH a téléphoné à toutes les préfets, la mairie. Elle n'a eu aucune information. Donc, on voudrait savoir les mesures de prévention qu'il faut pour nos salariés. Parce qu'aujourd'hui, ils sont inquiets et ils veulent mettre un droit de retrait. Pour nous, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir aussi une visite préventive à l'avance. Vous aurez une visite préventive. Vous êtes à quelle distance de On est contre l'ENSOSP. Contre, dans le site de l'aérodrome. Mais vous êtes à quelle distance précise, madame? On ne sait pas. On est contre, nous, l'ENSOSP. Bien, alors on va... est dans le centre. Quelqu'un va y aller. On est hélicoptère Guimbal. On est dans le centre. Bon. Sur l'aérodrome, donc. Oui, on peut mais pas on va demander à quelqu'un de passer, mais a priori, mais vous êtes bien au-delà des limites dans lesquelles il peut y avoir contamination. Mais nous allons donc organiser très rapidement. Oui, rapidement. Il faudrait qu'il y ait une liste en liaison avec la mairie des entreprises et des habitants qui sont les plus proches, de façon à ce qu'il y ait une visite le plus rapidement possible. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que vos salariés ne s'approchent pas des limites de la propriété. Mais, encore une fois, les limites, les distances nécessaires pour qu'il y ait contamination sont quand même très réduites, moins de 2 mètres, comme on vous l'a dit. Et je ne pense pas que vous soyez sur une distance de séparation inférieure à cela. Mais il faut programmer des visites d'explications dans les meilleurs délais. Mais vous pouvez rassurer vos salariés, mais surtout qu'ils ne s'approchent pas. Voilà. Tu me permets que je complète. Si vous me permettez, je complète. Nous avons un certain nombre d'entreprises nous ont posé des questions à l'ARS et on a pu leur donner. Peut-être que vous n'êtes pas adressé au bon endroit. On a pu leur donner des informations très précises, leur indiquant qu'il n'y avait aucun risque. Donc, moi je suis prêt à ce qu'effectivement, à l'occasion de ces visites, on redonne davantage d'informations. Donc, un droit de retrait serait tout à fait excessif par rapport à une situation qui ne génère aucune difficulté, hein, puisque de toute façon, ils n'auront aucun contact avec les personnes qui sont hébergées à l'école. Il n'y aura aucun contact entre eux et vos salariés. Donc, ça. Et donc, pour qu'il y ait. Et en plus, les personnes qui sont actuellement à l'école ne sont pas porteurs du virus. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, mais il n'y a aucun risque. Voilà. Donc, c'est. Et ça, bon, on peut aller le dire et le redire, y compris à votre CHSCT si vous voulez, mais voilà. On va voir ça après la réunion, madame. D'accord, ça va. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'usage éventuel, hypothétique, du masque en cas de développement de la maladie? L'usage hypothétique du masque pour éviter le développement de la maladie, c'est ce que vous avez dit. Alors, le masque. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez développement éventuel de la maladie. Vous voulez dire de propagation d'une épidémie? Est-ce que le masque est efficace? Alors, il y a différents types de masques, hein, qui ont des niveaux de protection croissants, depuis le simple masque en papier qui, lui, offre une protection mais doit être renouvelée régulièrement, jusqu'aux masques qui sont plus utilisés de mode chirurgical, qui eux offrent une protection de plus longue durée. Donc il y a toute une gamme, hein, de protection, et si le risque s'avérait, eh bien, les consignes seront bien sûr données sur le type de masque qu'il faut porter, les conditions dans lesquelles il faut le porter, à quelle occasion, hein. Mais je vous dis, pour l'instant, ça n'est pas le sujet, hein, vraiment. Sauf pour les personnes qui travaillent au sein du centre, hein, mais comme d'ailleurs ça se fait en milieu hospitalier. Hein. Bonjour,
Monsieur le préfet, je reviens sur les trois critères qui vous ont amené à choisir le site de Carilrouet et Aix-les-Milles. Par le passé, quand il y avait une quarantaine, on s'arrangeait à mettre ça à un endroit où il y avait peu de population autour. C'est-à-dire qu'on mettait ça dans un endroit un peu désertique et souvent sur une île. La Méditerranée ne manque pas d'île, on ne manque pas de centre de vacances au centre de l'Acro, qui aurait pu accueillir, avec, on n'aurait pas eu tous ces problèmes, avec, même si rien ne risque pour l'instant, mais on n'aurait pas tous ces problèmes que rencontrent les riverains proches, ce manque d'informations qui est chronique, et ça aurait été beaucoup mieux accepté par les populations environnantes si autour il n'y avait pas peu de population. Là, vous êtes dans un bassin de population où il y a environ autour 100 000 personnes. S'il faut bloquer 100 000 personnes, si ça se développe, même si vous dites que ça ne craint rien, et je vous crois, mais ça aurait beaucoup mieux passé au niveau de la population. Bien. Alors, ce n'est pas moi qui ai décidé les sites. J'ai fait simplement des propositions. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement. Replaçons ça dans son cadre. C'est une opération d'abord d'intérêt national et c'est une opération de solidarité parce que cela concerne pour l'essentiel majoritairement des ressortissants français. Il y a notamment des enfants et des familles dans les deux sites. Et donc il était nécessaire, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de l'ARS, notamment de prendre toutes les mesures de précaution pour les protéger, eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres, mais également pour, parce que ça fait partie des soins, de les placer dans un contexte qui pourrait leur permettre de surmonter certaines formes d'angoisse ou d'anxiété qu'ils ont pu vivre en Chine au moment où ils subissaient cette quarantaine qui a été extrêmement stricte. Je pense que la solution de les mettre dans une île. D'abord, il aurait fallu trouver une île parfaitement, comme si vous le suggérez, dans cette façon, parfaitement vide. Je pense que le symbole n'aurait pas été très bon. Il faut se souvenir quand même notamment de la vocation qui a été celle des îles du Frioul pendant des années, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je ne pense pas que c'était quelque chose d'approprié en termes d'image. Deuxièmement, je le répète, il faut une proximité, et notamment terrestre, d'un service d'infectiologie très performant, ce qui est le cas ici, et que la solution d'un isolement, certes, aurait pu avoir quelques avantages, mais elle avait ce type d'inconvénient. Et que, je le répète, compte tenu des mesures de protection que l'on prend autour des deux sites, que ce soit Carilrouet ou ici l'ENSOSP, et il n'y a pas de risque de contamination, comme on l'a dit. D'autant que ces personnes, à l'heure actuelle, aucune d'entre elles n'est atteinte par le virus. Pardon ? Vous pouvez prendre le micro, madame. Mais il y a une dame qui voulait s'exprimer. Monsieur le préfet, donc on a entendu, enfin pour ma part, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Je ne trouve pas d'explication claire et je les trouve même parfois contradictoires. Dans la mesure où vous dites d'un côté, c'est un virus qui n'est pas maîtrisé, dont on ne connaît pas tout, et d'un autre côté, vous dites avec certitude qu'il n'y aura pas de contamination, d'une part. D'autre part, vous avez évoqué le fait que vous étiez allé, par le biais du commissaire, voir les riverains qui sont à proximité. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas, notamment avec madame qui travaille juste à côté. Donc, et vous avez dit, dites-leur qu'il n'y a aucun risque, mais qu'ils ne s'approchent pas. Donc ça émet des doutes par rapport à vos discours. D'un côté, vous nous dites il n'y a pas de risque, et d'un autre côté, vous nous dites il ne faut pas s'approcher. Sachant que, comme le disait l'habitant juste avant, il y avait d'autres, je pense, qu'il y avait d'autres lieux qui étaient tout à fait à proximité. On a des moyens assez importants, des hélicoptères, tout un tas de choses qui permettaient la prise en charge pour nos rapatriés et qui évitaient la proximité avec les populations aux alentours. Bien. On va pour la question des visites
On va vous répondre à nouveau là-dessus. Il y a des visites qu'on ne pouvait pas faire dimanche parce que je ne pense pas que les zones de la zone d'activité étaient totalement ouvertes et en fonctionnement dimanche. Mais nous allons, je le répète, procéder à un programme de visite de façon à ce que vous soyez visités. Je ne sais pas si vous êtes habitante ou entreprise, peu importe, tous les gens qui sont à proximité seront visités. Je vais donner la parole pour ce qui concerne ces questions que vous avez posées sur la nature du virus. Quand je vous ai dit, je vous ai vu effectivement réagir avec le sourire quand j'ai dit qu'il ne fallait pas s'approcher. Effectivement, je le répète, la contamination, c'est à moins de 2 mètres. Donc, c'est évident qu'il ne faut pas du tout s'approcher, mais vous ne pourrez pas vous approcher. Comment ? Mais le vent, madame, ne joue pas. C'est pas le virus n'est pas, on va vous l'expliquer, n'est pas quelque chose de volatile. Ça, ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des choses que l'on ne connaît pas sur ce virus, mais comme tout virus, il a une façon de se transposer, d'être contaminant, qui est bien caractérisée. Oui, voilà. Donc, concernant le virus, donc coronavirus, là, le nouveau coronavirus, donc faut vraiment donc un contact donc rapproché, donc moins de 2 mètres, 1 à 2 mètres, et prolongé également. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est pas un bref contact. Voilà. Donc, il y a la notion de proximité et du temps. Voilà sur ce virus. Et concernant les coronavirus, donc il faut savoir également qu'on a déjà en France, ici métropolitaine, 4 types de coronavirus qui circulent déjà. Donc c'est pas, c'est-à-dire que voilà, là c'est la septième type de coronavirus qui apparaît. Il y a eu le SRAS en 2002, le de coronavirus, et il y a eu le coronavirus du Moyen-Orient en 2012. Et là c'est encore un nouveau coronavirus. Mais il y a déjà des coronavirus qui circulent, 4 types de coronavirus qui circulent déjà en France. Alors, par rapport à ce que vous dites sur des contradictions, il ne s'agit pas de, madame, il ne s'agit pas de contradictions, mais il s'agit de mesures de prévention et de principes de précaution maximale. C'est la raison pour laquelle, monsieur le préfet dit, on ne s'approche pas, parce que ça, c'est inutile de créer une sorte de crainte ou de stress en venant sur le site. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas. Mais si, par hasard, vous réussissez, ce n'est pas la peine de s'approcher. Les personnes qui sont actuellement présentes à l'école des sapeurs-pompiers sont des personnes qui ont été testées hier. Les résultats nous sont parvenus hier soir. Et donc, qui présentent toutes des résultats négatif. On a fait des prélèvements au niveau de la bouche et du nez. Donc c'est là que se situe le coronavirus dans une phase d'incubation et de début de la maladie. Donc c'est pourquoi la projection se fait uniquement par gouttelette, par salive ou par éternuement. Je le dis, je le répète, c'est uniquement par là. Donc le port du masque est un moyen de protection totalement efficace. Ce qu'on ne sait pas, parce que les coronavirus sont quelquefois présentent des caractéristiques un peu différentes. Il y a des mutations, il y a des choses qui changent. Donc on ne sait pas pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que le virus qui a été identifié en Chine n'a pas muté. Puisque donc l'Institut Pasteur a comparé la souche qui lui a été communiquée par les Chinois à celles qui ont été constatées en France ces derniers jours, sur les personnes qui sont malheureusement atteint de cette maladie, et donc c'est exactement la même. Donc il n'y a pas eu de mutation, ce qui en soi est une bonne nouvelle, parce que ça permet aussi d'envisager sereinement la mise en place, par exemple, d'un vaccin. Mais qui prend du temps, la mise en place d'un vaccin, ça prend un certain temps. Donc pour l'instant, le seul moyen que nous avons de nous protéger, c'est de prendre ces mesures de précaution extrêmes. Je le dis et je le répète, là ce qu'on fait, c'est vraiment de la protection extrême par rapport à toutes les maladies virales qui nous entourent, qui nous cernent, qui sont présentes ici. Je tiens à dire pour madame que ce virus n'est absolument pas volatile. Et donc l'air ne peut pas le transporter.
Donc c'est, ça vit dans l'eau, donc c'est pas dans l'air. Donc ça n'est pas possible. Et il n'y a que les projections de gouttelettes qui viennent d'une personne directement et dans une proximité très grande. Hein. Voilà, donc ça, il faut être très clair aussi. Ce n'est pas la peine de fantasmer ou de s'inventer des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est la science. C'est la science. Mais oui, je vois vous... Madame, ce n'est pas la peine d'inventer des choses qui n'existent pas. Hein. Donc c'est la réalité et ça, c'est scientifique. Hein. Comme je l'ai déjà dit l'autre jour, on n'est pas dans le domaine de la croyance. On est dans le domaine de la science. Hein. Et donc, voilà. Alors, après, pourquoi est-ce qu'on maintient les personnes en quarantaine? C'est parce qu'on ne sait pas si des personnes peuvent éventuellement avoir en elles un réservoir de ce virus qui ne serait pas présent au niveau des zones nasales et buccales. Donc, ça laisse une petite crainte ou une petite doute sur la possibilité que le virus apparaisse quelques jours plus tard. Mais de toute façon, la durée de vie de ce virus est telle qu'en 14 jours, on est certain que les personnes ne seront pas porteurs. Et donc, à partir du moment où c'est même 12 jours, hein, mais donc 14 jours, au bout de 14 jours, on sait que les personnes peuvent tout à fait reprendre une vie normale et qu'elles ne présentent aucun risque pour qui que ce soit, pour le coronavirus, hein, bien entendu. Et donc, voyez-vous, on va procéder, l'IHU, moi je demandais à ce qu'il procède à de nouveaux examens, à la fin de cette semaine, de sorte qu'on vérifie que quelques jours après, il n'y a pas d'apparition de ce virus. Et si, donc, à l'occasion de ces nouveaux tests, on est à nouveau pour toutes les personnes accueillies, parce que toutes les personnes accueillies sont négatives, hein, y compris celles qui avaient été mises à l'écart au départ, parce qu'on pensait qu'elles avaient peut-être des symptômes, elles avaient un peu de fièvre, etc. En fait, elles avaient autre chose, elles avaient un rhume, hein, ou une petite affection pulmonaire. Donc, si on confirme à la fin de cette semaine que toutes ces personnes sont toujours négatives, à ce moment-là, je pense qu'on pourra dire qu'on est vraiment tranquille. Hein, vraiment tranquille. Voilà. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Je voulais savoir comment ça se fait que c'était la France qui avait récupéré tous les ressortissants européens et que chaque pays européen n'a pas repris ses propres ressortissants, qu'il y avait un risque. Alors, pas tout à fait, puisque dans l'avion qui a atterri dimanche matin, la majorité des personnes étrangères ont fait l'objet de ce qu'on appelle de bord à bord, c'est-à-dire sont partis par des avions dans leur propre pays, que ce soit notamment en Belgique, en Pologne, en Finlande, dans beaucoup de pays de l'Europe. Il reste aujourd'hui un certain nombre de personnes qui vont être traitées, parce que ce sont pour l'essentiel des gens de nationalité européenne, avec les personnes françaises qui sont ici présentes. Mais c'est à la suite d'accords qu'il y a pu y avoir avec ces gouvernements et c'est là aussi un acte de solidarité. Alors il y avait une autre, mais oui peut-être, madame qui est devant et puis il y a une madame qui est au deuxième rang là, qui vous a souhaité prendre la parole, madame. Juste une petite question. Oui. Si une personne tombe malade, est-ce qu'on repart sur 14 jours pour tout le monde ou pas? Alors... non, a priori, hein, si une personne présentait des symptômes, elle serait immédiatement prise en charge par le SMUR et conduite vers l'IHU. Hein, et donc, sauf si à l'occasion des nouveaux tests apparaissait la présence de coronavirus, à ce moment-là, il faudrait effectivement se poser la question. Mais a priori, on continue la période de quarantaine et on vérifie. Hein, qu'à la sortie, que les personnes n'ont pas de présence de coronavirus. D'accord, même si elle a été en contact avec les autres personnes. Oui, mais comme ils font tous l'objet de mesures de protection, les contacts sont, et ça c'est un des points qui vraiment est très, très pris en charge parce que, oui. Par les équipes qui sont présentes sur le site, parce qu'on ne l'a pas dit, mais sur le site, bien sûr, il y a l'organisation générale du site qui a été complètement prise en charge par les équipes de l'ENSOPS que je remercie ici pour leur mobilisation, mais on a aussi une équipe médicale qui appartient à la réserve sanitaire. Donc la réserve sanitaire, ce sont des professionnels de santé qui se portent volontaires, hein, qui sont inscrits sur un registre national de la réserve sanitaire, et lorsqu'on a une crise, lorsqu'on a besoin, on fait appel à elle. Et elle se mobilise dans des délais extrêmement courts, hein, donc dans les 24 heures, elle se mobilise. Donc là, on a une équipe qui est sur place
et qui assure le suivi médical de toutes les personnes. Par exemple, elles prennent leur température 2 fois par jour, chaque personne. Dès qu'elles ont un petit problème, un petit doute, elles viennent voir les médecins. Les médecins les regardent et les ont une consultation quotidienne. Hein. Donc, il y a vraiment un suivi médical extrêmement serré. Donc, s'il y a le moindre doute, aussitôt, la consigne, c'est aussitôt, on part vers l'IHU, où là, elles seront prises en charge. Tout de suite, les tests seront faits. Ce qui a été le cas donc, pour un certain nombre de personnes qui présentaient déjà des troubles à leur arrivée hein, en France. Elles ont été hospitalisées à l'IHU, on a fait les tests et elles ont maintenant regagné les lieux de résidence puisqu'il n'y avait pas de problème. Donc normalement, dans 12 jours, c'est bon. Ah oui, bien sûr. C'est du passé, oui, on passe à autre chose. À 999 chances sur 1000, oui, bien sûr. Il y a combien de personnes en fait? On a accueilli combien de personnes? Je vais vous dire ça tout de suite. 78. Merci. Madame, devant. Je crois qu'il y a une dame qui demandait. 76. Oui, il y a 76 personnes au total, dont 6 mineurs et 4 femmes enceintes. L'objet, comme cela a été dit, d'un traitement bien sûr approprié. Bonjour, que le virus ne se développait pas dans l'air, mais dans l'eau. La carie s'en mal barrée. Hein. Parce que s'il se développe dans l'eau, toutes les eaux usées elles vont. Non, je veux dire, pas en milieu aérien, mais en milieu humide. Mais de l'eau du corps de la personne, pas de l'eau de mer. Ah bon, je me disais aussi. Et leurs détritus, ils vont où? Alors, en principe, il n'y a aucun risque sur les déchets, hein, puisque donc là aussi, c'est un virus. On connaît hein, les coronavirus, on ne connaît pas spécialement celui-là, mais c'est une variété de virus qui est quand même très, très connue. Donc on sait que leur durée de vie à l'extérieur du corps humain est extrêmement brève, hein, extrêmement brève, de quelques heures seulement. Donc les détritus, mais ceci dit, pour ne que la sécurité, là aussi, maximum, soit prise en compte. Tout ce qui est les masques, les gants, sont traités comme des déchets hospitaliers. Comme des déchets hospitaliers. Ah non, ils sont évacués. Mais dans des conteneurs spéciaux, évacués et traités comme des déchets hospitaliers. Vous savez, dans les hôpitaux, il y a des choses beaucoup plus virulentes. Hein, beaucoup de personnes qui sont infectées de façon beaucoup plus grave que les personnes qui sont ici, les sommes qui ne présentent a priori pas de problème particulier. Hein, mais on va traiter ça malgré tout par le principe de précaution maximum, on va les traiter comme si c'était des déchets infectés. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, si vous permettez. Allez-y, madame. Voilà. C'est une question médicale. Hein, donc, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une mutation pendant ces 14 jours où les gens sont confinés? C'est-à-dire que les personnes qui sont confinées, ils ne sont pas malades. D'accord. Non, mais si elle a incubé. C'est-à-dire qu'il y a... Est-ce que par rapport aux examens médicaux qui ont eu lieu jusqu'à présent sur ces personnes, on peut discerner s'il n'y a pas une incubation? On peut. Il n'y en a pas. D'accord. On peut le discerner. Donc, il n'y en a pas. Vous pouvez affirmer. Oui, il n'y a pas de... Voilà. Parce que ma deuxième question, c'était au cas où un virus se déclarerait parce que ça a incubé, oui, au cas où, est-ce que nous serions dans la possibilité, dans l'obligation, d'allonger la période de quarantaine? Ce sont des questions qui peuvent intervenir. Alors, c'est la question que madame venait de poser. Donc, la réponse est non, dans la mesure où la personne qui présenterait des symptômes sera évacuée immédiatement vers l'Institut Hôpital Universitaire, vers l'IHU. Et comme les autres personnes ont respecté les consignes de protection, on ne va pas prolonger la période de quarantaine. Il y aura des tests qui seront refaits à la fin de la semaine, donc là, qui devront confirmer ceux qui ont été faits hier. Hein, donc samedi, l'équipe de l'IHU reviendra à l'ENSOP pour faire une deuxième campagne de tests. Et donc les résultats qui seront connus quelques heures après nous permettront de confirmer qu'il n'y a toujours pas de problème. Et s'il y en a un, la personne qui est positive sera immédiatement sortie de l'école, bien sûr, et prise en charge à l'IHU. Bien.
Je voudrais ajouter deux choses. C'est premièrement, c'est ce qui va se faire pour Carrie Leroué. Nous avons fait une réunion vendredi et nous sommes engagés à faire une seconde réunion vendredi prochain. Et donc, si vous le souhaitez, nous nous engageons à faire une nouvelle réunion d'information pour faire le point qui pourrait se tenir, je regarde mon agenda, lundi prochain en fin d'après-midi. Est-ce que ça te va ? Comment ? Ah oui, mais avant, vous savez, nous, on n'est pas aux 35 heures de toute façon, et ça ne sera pas avant 18h30. 18h30, voire 19h, voire après même, ça ne nous dérange pas. Ça ne sera pas en plein après-midi. Pardon ? Je n'ai pas du tout d'informations là-dessus, madame. Non, mais il y a des capacités limitées ici, de toute façon. La deuxième chose, c'est donc, je demande au sous-préfet en liaison avec la mairie et l'ENSOSP d'avoir un programme de visite de l'ensemble des riverains, entreprises et populations, donc à des heures différentes, les entreprises à des heures ouvrables et la population, les gens qui y habitent, plus tard peut-être. Et de façon à ce que l'on puisse voir d'ici demain l'ensemble des personnes les plus proches physiquement. Parce qu'en amont, madame, on a dû décider, tout cela s'est mis en place dans des conditions de grande urgence. Non, ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais ça, c'est peut-être les réseaux sociaux, vous savez, il ne faut pas trop croire tout ce qu'ils disent. Mais moi, je n'ai eu confirmation qu'à un moment, et encore d'abord pour Carrie Leroué, ensuite pour ici, mais plus tard, et nous avons dû agir dans la plus grande urgence. C'est des choses qui ne se préparent pas sur plusieurs jours, madame. On a eu très peu de temps pour préparer tout ça. Oui. Bonjour. Juste une question. Les élèves qui étaient à l'école de sapeurs-pompiers, ils sont où ? Ils sont dans sur la zone ? Ils sont restés là ? Non, non, bien entendu. L'école nationale a un mode de fonctionnement, vous l'avez compris, qui diffère de ce qu'elle connaît ordinairement. Et bien entendu, la première des choses que nous avons pu faire, ça a été de renvoyer nos 450 stagiaires qui sont présents. Alors, nous ne sommes pas en état d'arrêt total, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord parce qu'il y a une partie administrative qui continue. Et encore une fois, le site a été organisé de façon à ce que les personnels de l'école continuent à travailler. Et puis, nous avons notre site à Vitrolles, qui quand même nous autorise quelques stages, mais les quelques 65 stagiaires qui sont arrivés dimanche soir ont été directement routés. Ça arrive souvent. On a des conventions avec d'autres sites de sécurité civile, notamment l'école d'application de Valabgardanne. Et ces quelques 60 stagiaires sont logés bien à l'extérieur, à Valabgardanne, ou à Velo sur le SDIT du SDIS-13. Voilà. Donc nous n'avons, bien entendu, plus aucun stagiaire présent à l'école nationale. Et ça fait partie, monsieur le préfet le disait à l'instant, on a eu très peu de temps pour se retourner. La première des choses pour nous a été d'arrêter l'activité pédagogique de quelques 450 stagiaires. Il y avait une autre question, peut-être ? Attendez pour le micro. Merci. Une petite dernière question. Étant donné qu'il y a encore une ville qui a été mise en quarantaine à plus de 800 km de Wawen, du coup, on risque de rapatrier encore peut-être d'autres Français. Et on risque peut-être de les mettre encore à l'ENSOP, étant donné que je crois que la capacité est de 500 personnes. Est-ce que
on risque d'en garder, en fait, de les mettre encore au 1000. Et si oui, on repart sur encore 14 jours avec les nôtres, si alors, c'est le cas. Pour l'instant, on vous l'a dit tout à l'heure, nous n'avons aucune information sur le fait que de nouvelles personnes pourraient arriver de Chine en France. Pour le moment, il n'y a rien du tout qui est fait. Et pour le reste, ce n'est pas parce qu'il y a 450 places de libre qu'on mettrait autant de personnes que les capacités le permettent. Ce n'est pas du tout évident. Est-ce que c'est dans le sud que ça sera fait ou est-ce qu'il y a d'autres... Ah non, écoutez, ça, je ne peux pas vous dire. Vous n'avez pas... Il faut regarder simplement les centres hospitaliers qui sont capables de répondre. Là, je parle sous votre contrôle, il n'y en a pas énormément en France. Oui, donc oui, c'est sûrement chez nous, en fait. Ah non, ce n'est pas forcément chez vous, mais il y a d'autres... Bon, je ne veux pas citer. Oui, non, mais est-ce qu'on va remplir d'abord nous C'est dans les métropoles qu'il y a une capacité hospitalière de très haut niveau qui répond, ça c'est vrai. Donc ce n'est pas on remplit d'abord nous nos quotas et après on va ailleurs. Non, d'accord. Ça ne se fait pas. Bon, bah, très bien. Ok. Bonjour monsieur. Vous disiez que c'était un virus comparable au virus de la grippe. Donc dans son déroulement, forcément, il n'y a pas toujours des complications. Est-ce que c'est le cas? Comment vont les 6 patients qui ont été hospitalisés? Est-ce que tous ont eu des pneumopathies ou est-ce que simplement certains, du fait de leur isolement, ont réagi par leur immunité? Alors, on n'a pas d'éléments très précis. Je sais qu'il y a une des 6 personnes qui était une personne âgée, qui était faible et oui, qui a été... Oui, mais là, on parle de 6 personnes qui n'ont rien à voir avec... Oui, non, mais c'était pour connaître l'évolution de ce virus que vous disiez qui était comparable à celui de la grippe. Donc, la grippe n'est pas mortelle dans tous les cas. Il faut qu'il y ait, chez un individu âgé, qui ait des complications, ou un individu jeune qui peut avoir aussi une pathologie chronique. Allez-y, Samir. Oui, voilà, donc, pour la comparaison avec la grippe, c'est-à-dire que c'est un virus qui va surtout être sévère chez les personnes soit très âgées, soit avec des comorbidités, donc des maladies chroniques ou immunodéprimées. Voilà, donc, c'est la comparaison avec la grippe, va dans ce sens-là, quoi. Ça va pas, voilà, c'est ça. Ça ne dégénère pas forcément. Ça ne dégénère pas forcément. Il y a même eu des cas très peu symptomatiques. Ça peut aller de très peu symptomatiques à des cas hospitalisés en réanimation. Sur les 6 cas qui sont aujourd'hui en France, entre Bordeaux et Paris, il y en a un seul qui présente une situation... Une personne âgée, oui. Une personne âgée chinoise, d'ailleurs. Oui. Donc ces gens-là sont mis en quarantaine à l'hôpital pendant 15 jours aussi? Ah ben, ils sont ceux qui n'ont pas de complications. Ah non, ils font l'objet de soins, eux, c'est différent. Hein. Ils sont pris en charge dans un service d'immunologie qui est avec des chambres sous dépression. Chambres négatives. Pression négative. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que du retour que nous avons de la Chine, il apparaît que les personnes qui sont victimes de ce virus sont plutôt des personnes âgées ou immunodéprimées. Et pour des raisons que, pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à expliquer, pas d'enfants ni d'adolescents. Alors, est-ce que ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas atteints, ou alors qu'ils font des symptômes tellement légers qu'on ne s'en aperçoit pas, c'est possible. Hein. Par ailleurs, le taux de morbidité, enfin de létalité plus exactement, c'est-à-dire le nombre de personnes qui décèdent, est inférieur à celui de la grippe, puisqu'il est entre 2 et 4%, hein, alors que la grippe, il est supérieur à 4%. Hein. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le constat. Évidemment, la grippe en Chine, compte tenu de l'énorme quantité de personnes, ça fait pas mal de morts quand même, je crois qu'ils doivent être un peu plus de 400, mais en réalité... Si on compare avec d'autres maladies infectieuses, il y a peu de létalité. Voilà ce qu'on peut dire. Bien. Pas d'autres questions? Bien, merci. Vous voulez dire quelque chose, Serge? Oui, monsieur le préfet, je voulais intervenir suite aux propos qui ont été tenus au sujet des entreprises qui travaillent à proximité du site de l'ENSOSP.
Ces entreprises, il se trouve que je les rencontre demain dans le cadre d'un comité consultatif de l'environnement de la plateforme de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Et je leur ferai passer les informations dont vous avez besoin. Monsieur Guimbal, que je connais très bien, ne m'a jamais appelé, madame. Mais pour autant, demain, il sera présent. Et pour quelle raison le site des entreprises n'a pas été... Et des clubs, puisque vous avez des clubs, vous avez les sociétés utilisatrices de la plateforme de l'aérodrome n'ont pas été visitées ce week-end, c'est que la plupart étaient fermées. Alors, moi, je vous propose, dans le cadre de ce comité, qui réunit aussi toutes les associations de protection de l'environnement, du quartier de la Durane jusqu'à l'Arbois, en passant par les Milles, elles seront présentes, puisque nous travaillons demain, n'est-ce pas? Donc, je leur présenterai ce qui a été dit aujourd'hui. Cela dit, il faut qu'il y ait ce programme que j'ai indiqué de visite individuelle à chaque entreprise et chaque personne. La première dame qui s'est exprimée, c'est vous, une dame qui vit dans le secteur, c'est vous. Bon, par exemple, le cas de ces familles, il faut les voir, il faut qu'il y ait un programme de visite d'ici demain soir. Monsieur le préfet, vous avez dans la salle le nouveau patron de la zone d'activité des Milles, qui a été invité, qui est là. Qui a été invité justement pour qu'on puisse peut-être organiser avec lui les visites dont il est question. D'accord. Très bien. Madame le maire, merci beaucoup. Alors, je remercie le ministre qui a autorisé cette réunion, le préfet de région, le patron de l'ARS qui est préfet aussi, monsieur le médecin qui est avec nous au bout de la table, monsieur le sous-préfet et le patron de l'école des sapeurs-pompiers qui est cher au cœur des Aixois, puisque c'est nous qui avons obtenu l'installation de l'école après un combat important contre d'autres villes. Donc, vous avez compris, cette réunion était uniquement une réunion d'information pour assurer les populations et leur dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement via le préfet de région et qui sont de nature non seulement à rassurer, mais à protéger. Voilà. Hein, alors, ce qui s'est passé ce matin va être diffusé sur le site de la ville pour ceux qui n'ont pas pu venir compte tenu de l'horaire. Et je pense, monsieur le préfet, qu'en faisant ça lundi prochain à 19h30, vous aurez une salle qui sera pleine. Parce qu'au Mille, généralement, lorsqu'il y a des réunions, ça déplace beaucoup les habitants. 19h30, c'est la bonne heure ou un peu plus tôt ou un peu plus tard? 19h, monsieur le préfet. 19h? 19h. OK. Lundi soir, 19h. Parfait. Ici. Merci.
Merci beaucoup. Mais de rien.